Vous avez le calque niveau du groupe 2 qui va vous permettre de modifier l'intensité des gris et de corriger. Mais vous êtes bien en groupe 2 hein. Oui, c'est le groupe 2. Le niveau du groupe 2 pour modifier l'intensité lumineuse. Et tout ça, on pourra revenir dessus pour corriger après. Vraiment régler le dessin pour qu'il ressemble à ce qu'on veut. Alors à ce stade, ce serait peut-être intéressant d'enregistrer le fichier Photoshop. Voilà. Sinon, on perd tout.